Êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'homme est le roi de la nature? L'homme-machine est la plus misérable bête qui existe dans cette vallée des larmes. Mais il a la prétention et même l'insolence de s'auto-proclamer roi de la nature. L'homme, ce pauvre animal intellectuel qui se qualifie à tort d'homme, a inventé des milliers de machines extrêmement compliquées et difficiles, et il sait très bien qu'il faut parfois de longues années d'apprentissage avant d'arriver à connaître et à utiliser une machine. Mais il oublie complètement le fait qu'il est une machine plus compliquée que toutes celles qu'il a inventées. Il n'existe aucun homme qui n'ait pas d'idées fausses sur lui-même. Le grave problème, c'est qu'il ne veut pas se rendre compte qu'en fait, il est une machine. Mais sur quelle base pouvez-vous dire une chose pareille, que l'homme est une machine? Si vous observez n'importe quelle machine humaine avec soin, vous serez en mesure de vérifier cette hypothèse. La machine humaine n'a aucune liberté de mouvement. Elle fonctionne uniquement des multiples et diverses influences intérieures et des chocs extérieurs. L'animal intellectuel est une pauvre marionnette parlante, dotée de mémoire et de vitalité. Un pantin vivant qui a l'illusion absurde de penser qu'il peut faire, alors qu'en réalité, il ne peut vraiment rien faire. Imaginez un moment, cher auditeur, un pantin mécanique et automatique, contrôlé par un mécanisme complexe. Imaginez ce pantin, il est en vie, il tombe amoureux, il parle, il marche, il désire, il fait la guerre, etc. Imaginez que ce pantin puisse changer continuellement de maître. Vous devez imaginer que chaque maître est une personne différente, avec ses propres critères, sa propre façon de se divertir, de ressentir, de vivre, etc., etc. Par exemple, un de ses maîtres, désirant de l'argent, pressera sur certains boutons et alors le pantin se consacrera au négoce. Un autre maître, une demi-heure plus tard, aura une idée différente et fera danser et rire son pantin. Un troisième l'amènera à se battre, un quatrième le fera tomber amoureux d'une femme, un cinquième le fera tomber amoureux d'une autre, un sixième le fera se battre avec son voisin et avoir des démêlés avec la police, et un septième fera changer le pantin de domicile. Le pantin de notre exemple n'a réellement rien fait, mais il pense qu'il a fait. Sans aucun doute, tout est arrivé comme quand il pleut, quand il tonne ou quand le soleil brille, mais le pauvre pantin pense qu'il peut faire. Il a la sotte illusion d'avoir tout fait, alors qu'en fait, il n'a rien fait. En réalité, ce sont ses maîtres respectifs qui se sont divertis avec le pauvre pantin mécanique. Voici ce qu'est le pauvre animal intellectuel, chers amis, un pantin mécanique comme celui de notre exemple. C'est une marionnette faite de chair et de sang, contrôlée par la légion des entités énergétiques subtiles qui constituent dans leur ensemble ce qu'on appelle l'ego, le moi pluralisé. Les évangiles chrétiens qualifient toutes ces entités de démons, et leur véritable nom est légion. Dans l'hindouisme, ils sont appelés dhanavas ou asuras. Dans le bouddhisme, ceux-ci sont appelés agrégats psychiques. Alors, quel est le moyen de devenir libre? Quel est le chemin pour devenir un homme véritable? Celui qui veut vraiment cesser d'être un simple pantin mécanique doit éliminer chacune de ces entités qui, dans leur ensemble, constituent le « moi ». Celui qui veut vraiment cesser d'être un simple pantin mécanique doit commencer par admettre et comprendre sa propre mécanicité. L'animal intellectuel est une machine, mais une machine très spéciale. Si cette machine arrive à comprendre qu'elle est une machine, si elle est bien conduite et si les circonstances le permettent, elle peut cesser d'être une machine et se convertir en homme. La première chose que nous devons, de toute urgence, comprendre en profondeur et dans tous les niveaux du mental, c'est que nous n'avons pas de véritable individualité, que nous n'avons pas de centre permanent de conscience, qu'à un certain moment, nous sommes une personne et à un autre moment, une autre personne. Tout dépend de l'entité qui contrôle la situation à n'importe quel instant. Mais comment est-ce possible? Il est difficile d'imaginer que nous ne sommes pas un seul individu. Ce qui engendre l'illusion de l'unité et l'intégrité de l'animal intellectuel, c'est d'une part la sensation d'avoir un corps physique, d'autre part ses noms et prénoms, et enfin la mémoire et un certain nombre d'habitudes mécaniques établies en lui, à travers l'éducation ou acquises par une simple et stupide imitation. Merci beaucoup pour l'explication. Pouvez-vous continuer, s'il vous plaît, et dites-nous comment pouvons-nous cesser d'être une machine et devenir un être humain libre? Le pauvre animal intellectuel ne pourra cesser d'être une machine tant qu'il n'aura pas le courage d'éliminer, grâce à la compréhension profonde et de façon successive, chacune de ces entités métaphysiques qui, dans leur ensemble, constituent ce qu'on appelle l'ego, le moi, le moi-même. Chaque idée, chaque passion, chaque vice, chaque sentiment, chaque haine, chaque désir, etc., 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 a son entité correspondante. Et l'ensemble de toutes ces entités dépend totalement des circonstances, d'un changement d'impression, d'événements, etc. L'écran du mental change constamment de couleur et de scène. Tout dépend de l'entité qui, à un moment quelconque, contrôle le mental. Les diverses entités qui constituent le « moi » pluralisé, associées à d'autres, forment certains groupes spéciaux selon leur affinité. Ils se battent entre eux, discutent, s'ignorent les uns les autres, etc., etc., etc. L'entité qui, aujourd'hui, jure un amour éternel à une femme est plus tard remplacée par une autre entité qui n'a rien à voir avec ce serment. Alors le château de cartes s'écroule et la pauvre femme, désappointée, pleure de douleur. Donc, il est important d'éliminer les égos, les moi que nous portons à l'intérieur. Alors ceci ne devrait-il pas être enseigné à tous les enfants, dans les écoles et dans les collèges? Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent étudier la psychologie révolutionnaire et, pour le bienfait de l'humanité, orienter les élèves sur le merveilleux chemin de la révolution de la conscience. Nous ne nions pas que l'éducation intellectuelle, une profession et un métier pour gagner de l'argent soient nécessaires. Mais ce n'est pas tout, c'est secondaire. Ce qui est primordial, fondamental, c'est de savoir qui nous sommes, ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, quel est le but de notre existence. Le pauvre animal intellectuel n'est pas un homme, mais il a, à l'intérieur de lui, à l'état latent, toutes les possibilités pour devenir un homme. Ce n'est pas une loi que ces possibilités se développent. Ce qui est naturel, c'est qu'elles se perdent. C'est seulement par de terribles super efforts que ces possibilités humaines peuvent être développées. Nous avons beaucoup de choses à éliminer et beaucoup de choses à acquérir. Il est évident que le moi pluralisé est superflu. C'est quelque chose d'inutile et de nuisible. Il est logique de dire que nous devons développer certains pouvoirs, certaines facultés et certaines capacités que l'homme-machine pense et croit avoir, alors qu'en réalité, il ne les a pas. Lorsque le moi pluralisé est dissous, seul reste à l'intérieur de nous l'être véritable. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire facilement, comme vous venez de le dire. Quels sont les obstacles que nous pouvons prévoir? Quand vous tentez de ne plus être une machine, quand vous ne voulez plus être une machine plus longtemps, la nature est contre vous. La nature possède, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous, des éléments, des pouvoirs et des forces qu'elle active pour lutter contre nous. Le fait est que ça ne convient pas à la nature que quelqu'un cesse d'être une machine. C'est un attentat contre son économie et elle dispose de pouvoirs redoutables pour mettre les rebelles qui veulent la combattre sous contrôle. C'est la dure réalité des faits. Il est évident que vous êtes ici pour m'écouter et je suis là pour vous parler. Mais vous pouvez le voir ici, comment la nature travaille pour vous mettre sous contrôle. Si vous prêtez attention, vous remarquerez que certains d'entre vous ont ressenti de l'ennui en écoutant cette conférence. Certains d'entre vous ont bâillé, certains d'entre vous auraient voulu que notre conférence soit terminée, etc. Tout cela, ce sont les armes de la nature. Si nous sommes tous des machines et faisons partie de l'économie de la nature, alors n'avons-nous rien à dire concernant notre vie? N'avons-nous aucun contrôle sur notre propre vie? En aucun cas, nous ne pouvons nier la loi de la récurrence, qui transforme elle-même chaque instant de notre vie. Certainement, pour chaque jour de notre existence, il existe une répétition d'événements, d'états de conscience, de paroles, de désirs, de pensées, de volitions, etc. Il est évident que, si vous ne vous auto-observez pas, vous ne pouvez pas vous rendre compte de cette incessante répétition quotidienne. Si vous voulez vraiment apprendre à vous connaître vous-même, vous devez commencer par observer votre propre comportement face aux événements de la vie quotidienne. Observez vos réactions mécaniques devant les petits événements qui ont lieu dans la chambre, à la maison, dans la salle à manger, dans la rue, au travail, etc., etc., etc. Observez ce que vous dites, ce que vous ressentez et pensez. Si nous croyons que nous sommes de bonnes personnes, que jamais nous ne nous comportons de façon inconsciente et incorrecte, nous ne changerons jamais. Avant tout, nous devons comprendre que nous sommes des personnes mécaniques, de simples marionnettes contrôlées par des agents secrets, par des moi occultes. De nombreuses personnes vivent à l'intérieur de nous. Nous ne sommes jamais la même personne. Quelquefois, c'est une personne mesquine qui s'exprime à travers nous. Quelquefois, c'est une personne irritable. À d'autres moments, c'est une personne généreuse et bienveillante. Plus tard, c'est une personne scandaleuse ou calomniatrice. Ensuite, un saint. Plus tard encore, un menteur, etc. Il y a toutes sortes de gens, des moi de toute espèce, à l'intérieur de chacun de nous. Nous devons cesser d'être de simples machines, même quelques brèves minutes chaque jour, ce qui aura une influence décisive sur notre existence. Quand nous nous auto-observons et ne faisons pas ce que veut tel ou tel ego, il est clair que nous commençons à cesser d'être des machines. Vous avez décrit une vérité très profonde sur la nature humaine. Comment pouvons-nous maîtriser notre propre comportement? Comment pouvons-nous repérer le moi dans notre structure? Comment fonctionne la machine humaine? L'organisme de ce bipède tricérébré, erronément appelé homme, est une machine précieuse, avec 5 centres psychophysiologiques merveilleux. L'ordre de ces centres est le suivant: intellectuel, émotionnel, moteur, instinctif et sexuel. Chacun des 5 centres pénètre dans tout l'organisme, mais ils ont leur point capital de base quelque part dans la machine organique. Le centre de gravité de l'intellect se trouve dans le cerveau. Le centre de gravité des émotions réside dans le plexus solaire, ou dans les centres nerveux spécifiques du système grand sympathique. Le centre de gravité du mouvement est situé dans la partie supérieure de l'épine dorsale. Le centre de gravité de l'instinct, il faut le chercher dans la partie inférieure de l'épine dorsale. Le centre de gravité du sexe a, bien sûr, ses racines dans les organes sexuels. Le centre intellectuel est responsable de l'élaboration des concepts, le raisonnement, les souvenirs, les projets, l'analyse, etc., etc. Le centre intellectuel est utile à l'intérieur de son orbite. Le sortir de son champ de gravitation serait une grave erreur. Les grandes réalités de l'esprit ne peuvent être expérimentées qu'avec la conscience. Le centre émotionnel. La joie, la tristesse, la mélancolie, l'euphorie, l'amour ou la haine sont seulement quelques-unes des sensations produites par ce centre. L'être humain gaspille bêtement ses énergies avec l'abus des émotions violentes que produit le cinéma, la télévision, les matchs de football, etc. le centre moteur. Nous avons besoin de nous auto-découvrir et comprendre à fond toutes nos habitudes. Nous ne devons pas permettre que notre vie continue à se dérouler mécaniquement. Nous devons étudier nos habitudes. Nous avons besoin de les comprendre. Elles appartiennent aux activités du centre du mouvement. Il est nécessaire de nous auto-observer dans notre manière de vivre, d'agir, de nous habiller, de marcher, etc. Le centre instinctif. Il existe plusieurs instincts, l'instinct de conservation, l'instinct sexuel, etc. Il existe aussi de nombreuses perversions de l'instinct. Au fond de tout être humain, il existe des forces infrahumaines, instinctives et brutales, comme les instincts criminels, de luxure, de lâcheté, de peur, de sadisme sexuel, etc., qui paralysent le véritable esprit d'amour et de charité. Le centre sexuel, c'est le centre chargé de générer ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Cette énergie, contrairement à ce que de nombreux auteurs supposent, n'est pas uniquement chargée de la reproduction de la race. Elle est également responsable de la santé, du corps physique, de l'équilibre psychologique et de la conquête de ce qui s'appelle l'être. Et comment est-ce lié à l'ego? Où se trouvent les moi dans les centres? Le moi exerce un contrôle sur les 5 centres inférieurs de la machine humaine: intellectuel, émotionnel, moteur, instinctif et sexuel. C'est ainsi que la vie de l'être humain se trouve réduite à l'esclavage psychologique dans lequel le libre arbitre a presque disparu. Dans le centre intellectuel, les moi des préoccupations battent le fer pendant qu'il est chaud. La cupidité projette ses idées et ses plans pour l'avenir sur le pauvre mental. Le centre émotionnel souffre aussi des conséquences de l'abus du moi. L'amour-propre est mortellement blessé quand quelqu'un ne nous paie pas ce que nous pensons mériter. Alors surgit la haine, la rancune, etc. Le centre moteur est utilisé par la vanité pour promener la machine dans la rue, en se pavanant comme un paon, croyant que tout le monde le regarde. L'orgueil nous fait rivaliser, combattre contre le rival, et nous laisse épuisés, seulement pour gagner une pauvre médaille et pouvoir figurer dans la presse nationale le lendemain. La paresse altère les mécanismes naturels du centre instinctif quand, par indolence, on se nourrit n'importe comment, à base de congelés, de conserves et de plats cuisinés. La réserve énergétique du centre sexuel est aussi pillée par les différents agrégats psychologiques. L'enfant commence dès le plus jeune âge avec le vice de la masturbation, perdant ainsi des éléments fondamentaux pour son développement. La profonde ignorance dans laquelle vit l'humanité fait que ce centre est le plus endommagé. Il doit être très important alors de comprendre le fonctionnement du moi dans chacun des centres. Tous ceux qui veulent dissoudre les moi doivent étudier leur fonctionnement dans les 5 centres inférieurs. Nous ne devons pas condamner nos défauts, nous ne devons pas non plus les justifier. L'important est de les comprendre. Le moi travaille avec chacun de ces 5 centres inférieurs, et quand nous commençons à comprendre profondément le mécanisme de chacun de ces centres, nous sommes sur le chemin de la dissolution du moi. En faisant ceci, il doit être possible de vivre avec sagesse. Si nous voulons un changement définitif, il est nécessaire qu'un tel changement ait lieu d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Pour vivre avec sagesse, nous devons comprendre que la machine organique de l'animal intellectuel fonctionne d'une manière tricérébrée. Le premier cerveau est le centre pensant. Le second cerveau est le centre émotionnel. Le troisième cerveau est le centre du mouvement, communément appelé centre moteur. Les 5 centres sont répartis entre les 3 cerveaux. Chacun d'eux a sa propre autonomie. Il est démontré dans la pratique que tout abus du centre pensant produit une dépense excessive d'énergie intellectuelle. Le sens esthétique, la mystique, l'extase, la musique supérieure sont nécessaires pour cultiver le centre émotionnel. Mais l'abus de ce cerveau produit un affaiblissement inutile et un gaspillage d'énergie émotionnelle. Les existentialistes de la nouvelle vague, les fanatiques du rock, etc., abusent du cerveau émotionnel. Les sports harmonieux et équilibrés sont très utiles au cerveau moteur, mais l'abus de sport entraîne une dépense excessive d'énergie motrice et le résultat est généralement désastreux. Avec le temps, l'utilisation erronée des trois cerveaux a peu à peu écourté la vie. Dans l'ancienne Égypte des pharaons, la moyenne de vie humaine était de 140 ans. Actuellement, en ces temps modernes de carburant et de celluloïdes, à cette époque d'existentialisme et de rebelles du rock, l'espérance de vie humaine est, selon certaines compagnies d'assurance, à peine 60 ans. D'autre part, en Asie centrale, il y a une communauté religieuse qui est constituée d'anciens dont la durée moyenne de vie est comprise entre 400 et 500 ans. Le secret de longue vie de ces moines asiatiques consiste en un sage usage des trois cerveaux. La pédagogie contemporaine conduit les étudiants à l'abus du cerveau pensant, dont les résultats sont bien connus par la psychiatrie. Dans les anciennes écoles de mystère de Babylone, de Grèce, d'Inde, de Perse, d'Égypte, etc., les élèves recevaient une information intégrale, directe, pour leurs trois cerveaux, grâce à une combinaison intelligente de préceptes, danse, musique, etc., qui servaient à instruire les trois cerveaux de chaque individu. Très, très intéressant. Nous vous sommes reconnaissants de nous donner des informations pratiques d'une telle valeur. Que souhaiteriez-vous d'autre? Que l'on se rappelle et que l'on pratique afin que nous puissions vivre une vie meilleure? Dans la vie, il est nécessaire d'apprendre à ne pas nous créer de problèmes. Les problèmes sont seulement des formes mentales qui sont créées par le mental. Un problème, c'est une forme mentale qui a deux pôles, l'un positif et l'autre négatif. Ces formes sont soutenues par le mental et cessent d'exister quand le mental cesse de les soutenir. Que devons-nous faire? Résoudre des problèmes? Non, ce n'est pas nécessaire. Alors, quoi? Ce dont nous avons besoin, c'est de les dissoudre. Comment les dissoudre? Simplement en les oubliant. Vous pourriez penser qu'il est impossible d'oublier les problèmes, mais si, c'est possible. Quand vous voulez les oublier, la seule chose que vous avez à faire est de mettre n'importe quel autre centre de la machine organique au travail. Souvenez-vous que l'être humain possède trois cerveaux. Activez le centre émotionnel ou le centre moteur. Voilà une chose intéressante, parce qu'alors, le centre intellectuel se repose et ainsi, nous oublions notre problème. Ne souffrez pas inutilement, oubliez le problème et ainsi, il se dissoudra. Vous aimez la peinture? Allez voir une exposition. Sera une bonne façon d'oublier votre problème. Ou prenez un café, ou une bonne tasse de thé, ou allez vous baigner dans un lac, ou grimper sur une montagne et riez un peu. Rire fait du bien et fait oublier le problème. Vous pourriez dire, par exemple, que de cette façon, il n'est pas possible de payer une facture ou une dette. Je ne veux pas dire par là que nous ne devrions rien faire, que nous ne devrions pas travailler, que nous n'avons pas besoin d'argent pour vivre ou pour payer les dettes, etc. Il faut faire tout cela, mais sans se créer de problèmes dans le mental. Les gens ont peur d'oublier leurs problèmes, et c'est une chose très triste. Apprendre à vivre d'instant en instant, de moment en moment. Voilà ce que je recommande.